Salut à tous, une petite vidéo qui va vous montrer comment arcoiser une arch Linux matée. Je vais parler de l'arco Linux, et le gros problème de l'arco Linux, c'est qu'elle est légèrement imposante. C'est cette vidéo. Et là, on est vraiment dans le... très lourd. Donc, je me suis dit, je vais prendre les paramètres de l'arco Linux, partir d'une arch Linux matée, et voir comment on peut y arriver à faire ça. Donc j'ai pris mon tutoriel, celui sur GitHub ou sur GitLab, et la partie concernant Maté, avec l'ensemble des caractères, des spécificités données ici. Donc, acte. J'ai fait bien sûr quelques captures d'écran de l'arco Linux, donc je sais que ce terme ArcDark, du ArcDark complet, c'est le jeu des cônes Sardi Modo Monocolora et la pointeur Breeze. Donc, on va voir ce qu'on peut faire, et si on peut arriver à reproduire un tant soit peu l'apparence, sans pas tomber dans la lourdeur. Donc là, j'ai une arch Linux matée installée selon mon guide, entièrement à jour. J'ai rajouté déjà pas ma KUR Git, bah, je préfère la version Git, les coups, là, vous me direz, ça se discute pas, et on va voir la gueule de l'ensemble. Bien sûr, ça ne sera pas une copie à 100%, parce que je ne vais pas recopier entièrement la charte graphique, mais uniquement la charte graphique de l'environnement général, quand vous êtes dans l'environnement de bureau. Donc, ce que je propose comme guide, vous avez GIMP, LibreOffice, CUPS, les outils de gestion de Firefox, Thunderbird, Xane, pas mal de petits trucs. Donc là, déjà, on a déjà une bonne base. La base que le nombre de personnes utiliseront. Il y a aussi Quadlibet, il y a VLC. Donc on a quand même pas mal de petits trucs. Ouais, voilà. Déjà, donc là, fond d'écran de Tchernobyl, vous voyez déjà tout ce qu'il y a installé par défaut. Moi, je parle de Thunderbird, moi je rajouterai. Mais par défaut, déjà, il y a tout ça. Et voilà la place qui est prise par l'ensemble. NeoFetch, mon ami. J'ai 763 paquets. Mais j'ai déjà un bon équipement parce que il y a quand même LibreOffice, il y a GIMP. Donc je vais rajouter XSANE, je vais rajouter 2-3 outils. Mais vous allez voir, c'est quand même pas excessif. Donc je rajoute par exemple XSANE. Et je vais rajouter Thunderbird. On va rajouter Thunderbird. Histoire d'avoir Thunderbird avec le français. Voilà. Donc, appliquer. Et même en rajoutant Thunderbird et XSANE, on ne va pas non plus tomber dans des trucs super lourds, quoi. Je ne sais pas si j'ai rajouté Shotwell. Graphisme. Ah non, je n'ai pas mis Shotwell. Donc je vais rajouter Shotwell parce que c'est un outil qui m'est pratique. Et vous voyez là, on va être dans les 800 paquets à tout casser. On est quand même loin des 1100 et quelques paquets du Darko Linux. Voilà, donc déjà, c'est ce que je vais faire, c'est ça, voilà. Déjà, on a une bonne petite Logitech, bien confortable. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va installer les thèmes Arc, comme celui que j'utilise actuellement. Donc, Arc GTKTM et Arc IconSem. Donc, on y est, on va mettre celui-là. Allez. Soyons gourmands. Voilà. Donc, déjà, la première étape, c'est d'utiliser Arc Darker. C'est Arc Dark, pardon. Donc, on va déjà, si on fait un autre niveau fetch. On n'est même pas 800 paquets. Donc, apparence, apparence. Et on va mettre, Arc Dark. Ah. Il me faut le paquet aussi Gnome IconSem. Donc, on va rajouter Gnome IconSem. Voilà. Comme ça, moi, il me foutra la paix.
Autant dire qu'on va se retrouver avec une station qui va exploser un nombre de paquets. Pas. Voilà. Donc on va fermer, on va recommencer. Préférence, apparence, apparence. Là. Donc ça c'est fait. Maintenant, par chance, Eric Dubois a mis sur AUR son jeu d'icône Sardi. Ce que je vous prouve à l'instant. Donc Firefox se lance. Sauf un petit AUR pour archlinux.org. Comme ça. Faute de frappe, c'est mieux comme ça. Si on cherche Sardi, c'est le paquet Sardi Icône. Donc, je l'ai fait recompiler pour gagner du temps. Et pour les curseurs, c'est Xcursor Breeze. Alors, Xcursor Breeze, voilà. Vous voyez, il n'y a que deux paquets AUR qu'on va installer. Je les ai fait recompiler. Et là, ils sont disponibles ici. Donc, ce n'est pas un problème. Je vais les installer avec PAMAC. Je peux très bien aussi utiliser une commande, mais comme j'ai pas Mac, j'en profite. Et d'un. Et de deux. Et maintenant, on complète l'apparence. Alors, préférence, apparence, apparence. Personnaliser. Donc Arc Dark, icône Sardi Monocolora. Pointer Breeze Snow. Pas mal, hein? Et on a le jeu d'icône. Bon, il y a un petit truc encore à corriger, mais ça, on va faire ma session peut-être. Peut-être qu'en se déconnectant, se reconnectant, ça va corriger ce petit bug d'apparence. Je vérifie juste un truc. Arc Dark. Bon, de fenêtre, Arc Dark, ok. Je vérifie que c'est juste réglé comme ça. Alors, accessoires. Oh, c'est bon, c'était juste un bug avant la connexion. Et voilà, vous avez le jeu d'icône complet. Et vous avez un clone de. Bon, mais sur le fond d'écran, on va changer l'arrière-plan de bureau. Et je veux vous prouver qu'il n'est pas la peine d'avoir Variety. Il y a déjà un jeu de. Voilà, avec le fond spatial. Et on a en gros une apparence qui ressemble à celle de. La. Arco Linux. En quelques secondes. Donc là, je vais rajouter. Le fuseau horaire. Enfin, la météo. Et voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à Arco Linux, même si ce n'est pas une, mais ça y ressemble beaucoup. Vous avez vu? Le temps que ça m'a pris 5 minutes, même pas. Avec un ensemble qui est déjà beaucoup plus léger. Après, bon, ben, je vais rajouter Atom, pas de problème, je vais rajouter Atom. Je vais rajouter... Donc, je vais rajouter Atom. Il y avait Atom et il y avait. On va rajouter Atom. Voilà. Appliqué. Je vais quand même rajouter Atom pour faire plaisir. Je vais rajouter Ginny. Histoire de reproduire un peu. Mais je sais très bien qu'on ne va pas arriver non plus dans les. 1100 paquets comme auparavant. On va rajouter Time Shift.
puisque c'était disponible, on va rajouter Time Shift. C'est une mise à jour. On va juste compléter un peu la Logitech. On va déjà appliquer ça. On va rajouter Time Shift. Voilà. Histoire d'avoir quelques outils système. Voilà, vous avez vu. Je ne suis pas dans la super transmission aussi. Une fois qu'il a fini de me compiler Time Shift, vous avez vu, j'ai reproduit les grands traits de l'Arco en quelques minutes. Et là, même on va un peu arcoiser l'apparence du gestionnaire de démarrage pendant qu'il compile Time Shift pour donner un petit côté Arco. Alors c'est Arc Darker, Time Decon, on va prendre la Sardi, Colora Mono, enfin Mono Colora, pardon. Panneau, ok, pas de la fenêtre. Enregistré. Permis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour? Allez, paquet Atom. Donc là, voilà. Donc. Et si on regarde bien, si on fait un petit NeoFetch, on va qu'on arrive à 900 paquets à tout casser. Outils système, terminal maté, un petit NeoFetch. Voilà, 800 paquets. Et vous avez quelque chose qui ressemble vraiment à l'Arco Linux, en beaucoup plus léger. Bon, c'est pas aussi léché sur tous les plans, mais c'est tout aussi beau. Après, la beauté dépend de l'observateur, n'est-ce pas? Là, j'ai rajouté un truc à la Headshare, par exemple, pour générer des clés ISO. On va rajouter USB. On va chercher Headshare pour voir si c'est disponible. Voilà, on va prendre Headshare, par exemple, pour générer des clés USB. Une option, je pourrais prendre autre chose, mais je prends une charte par exemple. Mais c'est pas pour autant que je me retrouve avec quelque chose de super lourd, quoi. Outil système, donc j'ai Time Shift. On va aussi rajouter le gestionnaire de pare-feu. Une fois qu'il a fini de me compiler de chair. C'est une application en électron. Je ne sais pas combien de temps il va être à compiler, mais. Bon, je prends autre chose, je vais prendre. Moi je vais prendre autre chose parce que c'est trop long et cher. Je vais prendre ISO Image Writer par exemple. Qui fait très bien son boulot sans dépendre de. Ah ça merde, c'est celui de Deepin. Ah c'est pas celui que je voulais. Allez direct. Bon sang. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, alors on va commencer. Je vais désactiver le chair. C'est pas celui-là que je voulais. Donc, le chair, je n'en veux pas. Image Writer. Ce sera celui de Deepin.
Drive Writer, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là que je voulais. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Bon, il dépend de Qt4. Donc, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre le Git, qui dépend de Qt5, qui est un peu plus propre. Alors, mis à part ce petit aléa, vous avez vu, pas super long. Et on est resté dans les outils qui sont légers, utilisables. Il m'a fallu quoi? 2 minutes? 3? 4 peut-être pour te personnaliser? Et on se retrouve avec une installation qui est beaucoup plus pérenne parce que zéro dépotière. Et qui ne dépendra pas du bon vouloir d'une personne qui peut très bien laisser tomber pour des raisons A, B, C, D ou Y. Ça peut toujours arriver. Donc là, alors, outils système. C'est ISO Image Writer. C'est très bon petit outil pour gérer les clés ISO. Ouais, donc vous voyez, Atom, l'outil Atom, ben, voilà l'éditeur. L'indispensable éditeur Atom. Je savais même pas qu'il était en anglais. Bon, donc vous voyez, on a l'ensemble préutilisable. Bon, c'est un peu éternisé par rapport à la création d'un outil, mais sinon. Par contre, il y a un petit bug, PAMAC a disparu. Bon, c'est pas grave, c'est un bug de la version Git, qui sera sûrement corrigé pour la même version finale de PAMAC. On sent un bug avec Archimède, je ne sais pas. Donc on va virer les paquets orphelins. Voilà, donc là, ben, on a fini l'installation, on doit être dans les 900 paquets à tout casser. Outil système, time shift. Même si je rajoute des petits outils. Ah, c'est pas time shift que je voulais, c'est le terminal. Terminal maté. Donc si je fais un autre NeoFetch, on n'en est même pas à 800 paquets. Et on a un système très complet, très utilisable. Allez, je vais installer. Le gestionnaire de pare-feu qui ajoute 2 paquets. Et là, on peut générer, gérer son pare-feu en toute simplicité. Internet, non, c'est pas ça. Patate système, administration, préférence, internet, réseau. Configuration du pare-feu. Voilà. Et on a UFW installé. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas super compliqué de personnaliser une Arch Linux. Voilà. Donc l'Arco est très bien, mais peut-être que son seul intérêt au final, c'est son thème graphique. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.